Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débloquer le compte Google ou bien contourner le compte Google sur un Huawei. Donc ici, nous avons un Huawei UX7. Donc du coup, c'est bloqué sur le compte Google. On va d'abord se rassurer qu'on a connecté l'appareil à un réseau Wi-Fi. Donc là, nous sommes bien connectés sur un réseau Wi-Fi. OK. Maintenant, on va cliquer sur suivant. Patienter la mise à jour de Google. OK, à ce niveau-là, on va faire retour comme ceci. On retourne en arrière et du coup, on descend, on sélectionne accepter. Maintenant, on choisit configurer en tant que nouvel appareil. On clique sur utiliser. À ce niveau, on part dans mot de passe oublié. On va patienter quelques secondes. Ici, on va choisir demander le changement de compte. Dans ce niveau, on va choisir déclarer sur l'identifiant Huawei et la vie privée en patient. OK, à ce niveau, on maintient le texte comme ceci. On choisit partager. Et on maintient l'application Gmail comme ceci. On va dans notification. On va dans plus de paramètres. On va sur les trois petits points qui s'affichent tout ici en haut. On choisit gérer les comptes. On choisit ici compte. On est dans paramètres du téléphone. On va dans système. On va dans réinitialisation. On va dans réinitialiser tous les paramètres. À ce niveau, vous pouvez réinitialiser. Mais on va aller plutôt dans restaurer les valeurs d'usine. Donc ici, restaurer toutes les valeurs d'usine, c'est important. Vous cliquez sur restaurer et ensuite sur restaurer. Là. OK. Maintenant, l'appareil va être restauré. Une fois restauré, il n'y aura plus de compte Google. Donc pour cela, le téléphone va mettre l'on pour démarrer. Du coup, je vais mettre la vidéo en pause. Donc là, l'appareil est en train de démarrer. On va patienter, ça va un peu prendre un peu de temps vu qu'on a réinitialisé toute la mémoire. Donc ça va un peu mettre long pour redémarrer. Pour cela, il faut être patient jusqu'à ce que ça affiche l'écran de sélection de langue. Donc on va patienter. Alors, une fois le téléphone démarré là, on va sélectionner de nouveau la langue. Donc je vais sélectionner français. Ensuite, on va aller sur suivant, ignorer, accepter, on accepte, suivant, on accepte, et sur suivant.